Salut amis de la bille et bienvenue pour cette nouvelle review. Cette fois, ce sera la tornade Thunder Bay. Donc, dans le packaging de cette grenade, on trouve un manuel en anglais, mais avec des schémas explicatifs. Donc, voilà, facile d'utilisation. On trouve trois formes de récipients pour les billes qui formeront votre grenade. Donc, il y en a une déjà qui a, parce que ce week-end je l'ai utilisé, je voulais l'utiliser mais je l'ai préparé plutôt. On trouve le système, deux goupilles et une rondelle de secours. Le packaging, donc tout simple, un sac plastique avec un morceau de carton qui nous donne la marque et Thunder Bay de chez Akotsu. Ouais, Akotsu. Je sais pas comment ça se prononce, mon norme CE. Et l'étiquette, comme d'habitude, de Taiwan Gun pour leur stock, je pense. Voilà. Donc, au niveau du packaging, donc, comme je disais, on a une notice en anglais. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser cette grenade. Cette grenade est présentée, vous allez la recevoir démontée en trois éléments. Hop, comme ceci. Là, j'ai emmené tout le système. Voilà. Donc, on a une deuxième rondelle. Voilà, celle-ci. Qu'on met au fond. Là, voilà. Tac. Le système est... Voilà. Bon. Le système sera comme ça. Ouais, bon, donc le truc noir est pas là et de ce côté, mais bon, hop, donc on revisse le tout ici pour que ça soit bien serré. On serre bien. Voilà, votre grenade est presque prête. Ici, par le bas, vous mettez votre cartouche de CO2. Donc, on va faire un essai. Bon, moi j'ai tordu ici. Vous tirez un bon coup tout en gardant la pression. Voilà. Et quand vous allez lâcher, regardez bien. Vous avez vu ici, est venu vite percuter le petit truc qu'on a enlevé, le petit boutonnio qui est à l'intérieur. Hop. Et qui va faire exploser. Qui va percer la cartouche de CO2. Attendez, voilà, c'est là. Qui vient. Voilà, c'est cette pièce-là. Je vais la tenir comme ça. Vous voyez, cette pièce noire, quand on la lâche, elle vient taper la pièce grise. Qui vient percer la cartouche de CO2. Quand il y a une coque. Donc, ça dégage tout l'air. L'air veut se dégager et avec la pression, ça fait exploser la coque. Voilà. Voilà. Hop. Oui, je ne l'ai pas dit. Bon, ça vient de chez Taiwan Gun. Si je me souviens bien, je vous indiquerai le prix en bas, mais je crois qu'elle est à... Elle était à 35 €. Entre 25 et 35. Donc, après, pour remonter le mécanisme, il faut faire... Hop. Vous prenez pour ça aussi qu'il y a deux petites clés. Vous prenez, voilà, vous l'amenez vers le bas. Là, vous mettez ici pour bloquer. Une fois que c'est bloqué, hop, je vais utiliser que celle qui est
j'ai déjà. Hop. Et après, vous mettez votre goupille bien alignée. Celle-là, voilà. Ça va. Voilà. Tac. Ça bute. Donc, je vais le mettre par le haut. Après, ça bute avec une autre goupille pour pas se faire mal, hein. Pour l'enfoncer. Hop. Après, vous pouvez acheter les goupilles séparément. Attendez, je vais juste appuyer bien. Les goupilles valent pas très cher, hein, parce que ça se perd super facilement, les goupilles. J'en avais des grenades comme ça. Après, je vous dis, je vais pas faire exploser parce que j'ai que trois réservoirs, faut que j'en achète. Je vous ferai peut-être une vidéo comparative de plusieurs grenades. Donc, et après, bah, voilà, c'est simple. Hein. On bourre bien de billes, on serre bien. Pour pas que ça fasse trop de bruit. Moi, ce que je plie un côté. Je plie un côté de la goupille. Voilà. Et on est bon. Après, il n'y a plus qu'à tirer d'un coup. Le mécanisme fait. Et la grenade explose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, il est gris. Mais sur cette forme de récipient, vous voyez, on peut mettre des protections. Et il en existe de différentes couleurs pour les trouver plus facilement. Bon, là, ils m'ont donné une grise. Mais après, vous pouvez la repeindre d'une couleur bien voyante pour le terrain ou camoufler pour le terrain. Donc voilà. Au moins, ça c'est fourni, c'est super. Et une grenade qui ressemble aux grenades ananas. Voilà, là c'est flash, machin. Et ça c'est une flash et voilà. Par rapport au réservoir. Moi, sincèrement, j'aime bien la flash et l'ananas. Bon, là, il y a encore du plastique. Bon, c'est bien bon, si on peint dans les CQB. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite présentation de la grenade, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo d'essai, mais je voulais plus vous montrer une vidéo d'essai vraiment. Vraiment quand elle explose en partie. Voilà. En partie. Ou si je commande encore des récipients. Dès que j'en ai douzaine. Voilà. J'utiliserai. Je vous ferai voir l'explosion en ralenti. Machin. Sur ce, j'espère que cette présentation de cette grenade CO2 vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, à bientôt les amis.